Dans ce bloc opératoire, on pose une prothèse toutes les heures, de hanche ou de genou, 10 à 12 par jour. Une chirurgie lourde, la plus fréquente aussi, pour laquelle le temps d'hospitalisation se réduit. De 15 jours, il y a quelques années, on est passé à 3. Quelques patients commencent même à sortir le soir. L'intérêt de cette pratique, c'est de permettre aux patients de rentrer plus vite chez lui, de récupérer une autonomie beaucoup plus rapidement. C'est un intérêt évidemment pour la société puisque ça va réduire les coûts d'hospitalisation. Mais l'objectif principal, c'est l'intérêt du patient. C'est ce qu'il faut quand même garder à l'esprit. À 67 ans, ce patient qui ne pouvait plus marcher se déplace à nouveau sans difficulté. Opéré en ambulatoire sous anesthésie générale il y a 2 mois, d'une prothèse de genou, il était volontaire et ne le regrette pas. Je suis rentré, il était 6h du matin. Je suis parti au bloc opératoire à 10h du matin. J'en suis ressorti, il était 14h. Et à 17h, je marchais dans les couloirs. Et tout ça sans aucun mal, sans aucune douleur. On est mieux chez soi quand même qu'à l'hôpital. On est bien soigné à l'hôpital, c'est un fait certain, mais on est quand même mieux chez soi. Le retour à la maison n'est possible que si l'entourage familial est présent. L'hôpital prend aussi des nouvelles chaque jour. Les infirmières assurent les soins à domicile. C'est aussi grâce à une chirurgie moins invasive. Elles ont tendance à, plutôt que de couper les muscles, à s'insinuer entre les muscles, de manière à ce que les suites soient moins douloureuses et que les patients saignent moins. Nos anesthésistes ont également adapté leur technique en utilisant des produits qui permettent un relâchement musculaire maximal. Et l'anesthésie post-opératoire est effectuée à l'aide de cathéters qui jouent uniquement sur les problèmes sensitifs et pas du tout moteurs. Intérêt pour le malade, pour l'hôpital aussi qui peut ainsi satisfaire plus de patients en réduisant les délais d'attente. Mais la règle, c'est que le patient soit volontaire.